Et salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne dans le mode carrière avec l'Ajax Amsterdam. Pour le moment, on a sorti deux épisodes, celui-ci c'est donc le troisième et c'est l'épisode dans lequel on va officiellement commencer tout simplement le championnat avec un premier déplacement sur la pelouse de Wolvic. Bon, en vrai, on va l'appeler Wolvic cette saison hein, pour ceux qui ont la ref en live avec Koda sur du FM23. D'ailleurs, on y sera ce soir au moment où sortira la vidéo. Donc voilà, si vous voulez venir passer nous voir, c'est le premier lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Mais voilà, on est en live en mode carrière où justement Koda à l'Ajax. Moi j'ai l'AZ Alkmaar. Et justement, cette équipe, on l'appelle Wolvic parce qu'elle est imprononçable. Hein, c'est Walwisch, donc autant dire Wolvic quoi. Mais voilà, on commencera par un déplacement sur la pelouse de Wolvic. Ensuite, on recevra Go Ahead Eagles du côté de la Johan Cruyff Arena. On se déplacera au FC Twente et on verra dans ces cas-là si on joue le Sparta Rotterdam à domicile après. On va déjà faire ces trois matchs et ensuite on verra. Du coup, l'équipe, c'était la suivante après le mercato. Du coup, on avait recruté Micha Mudryk à gauche. On avait conservé Miko Tadze. On a recruté Prestiani à droite. Baldanzi en numéro 10. Au milieu de terrain, on a gardé Kenneth Taylor et Branko van den Boomen. La défense n'a pas changé. Borna Sosa à gauche. Medic et Soutalo dans l'axe et Devan Rensch à droite. On a mis Jay Gorter dans les buts. Pour les remplaçants, on aura Forbes du coup qui était déjà au club à droite, on aura à gauche pardon, on aura Barkji qu'on a recruté à droite, on a Harvey Elliott en 10 en doublure du coup de Baldanzi, on a Silvanovos et Mansvik en doublure de Kenneth Taylor et Van den Boomen, Rouli dans les buts, en défense centrale on a Kaplan et Jorel Lato, en buteur on a Brobet. Et puis sinon en latéraux on a Gaillet et Avila pour les latéraux droit et gauche, voilà, tous les postes sont doublés, du coup on est bon, il nous reste un peu de sous quand même sur le mercato. Il nous reste 5 millions parce que on est l'Ajax Amsterdam, oblige du coup d'aller chercher des bons jeunes. Du coup, j'ai acheté ce recruteur 5 étoiles, 5 étoiles, du coup, que j'ai envoyé en France pendant 9 mois. J'ai acheté ce recruteur 4 étoiles, 5 étoiles, parce que j'avais pas de 5-5 malheureusement, que j'ai envoyé au Nigeria pendant 9 mois. Et on avait déjà envoyé ce 4 étoiles, 5 étoiles du côté de la Belgique pendant 9 mois. Donc voilà, on a nos jeunes qui... Enfin, on va nous trouver des petites pépites, des petits jeunes qu'on essaiera de faire rentrer dans l'effectif, en plus du coup des joueurs qu'on a recrutés. Et nous, on va pouvoir directement commencer cette saison par le premier match et le déplacement du coup sur la pelouse de Wolvic. On va faire un petit rapport d'avant-match. Regardez, le joueur à observer apparemment c'est Bruma du côté, le genre défensif clé du côté de cette équipe de Wolvic qui joue, c'est une équipe puissante physiquement, à l'aise d'un bloc bas, elle défend en nombre, une fois la possession de balle, elle saute souvent le milieu de terrain avec des longs ballons à destination de ses attaquants. Okay. C'est un jeu kick and rush qui est joué par cette équipe de Wolvic, donc l'idée c'est qu'ils vont essayer de récupérer le ballon en étant assez bas, donc certainement en bloc bas défensivement. En pressant le porteur au milieu de terrain, cette formation est bien organisée, garde ses distances en veillant toujours à ne pas laisser d'espace entre les lignes pour éviter que l'adversaire les exploite. Ouais, c'est ça. Donc ça va être un bloc bas et dès qu'il récupère le ballon, ça balance des longs ballons devant, c'est un kick and rush vraiment moderne, on va dire. Voilà, on va tout de suite partir en coup d'envoi. Nos joueurs sont opposés à part Branko van den Boomen qui est un peu fatigué pour ce premier match de la saison. On va mettre Silvanovos à sa place. Tac. On va faire Jacques. Ah, mais lui il veut quoi? Il joue MDCMC. Ah, il est en moins 3 là. Ah ouais, relou. Et si même Mansvik, c'est mieux. Mansvik, c'est mieux. Ok, ce sera Mansvik dans ces cas-là qui va partir titulaire à ce poste-là. Ça donne quoi par rapport à Sylvain Voss? Ok, il est meilleur, donc très bien. Très bien, sinon tous les joueurs sont reposés. On est parti du coup avec cette équipe type, on va dire, à part Mansvik qui remplace Branko van den Boomen pour le déplacement à Molton Road sur la pelouse de Wolvic. Allez, supporters sont venus en nombre pour ce premier match et le lancement de l'Eredivisie où l'Ajax Amsterdam va jouer son tout premier match contre cette équipe de Wolvic à l'extérieur. Le coup d'envoi est donné par l'attaquant de cette formation et on va pouvoir directement partir à l'attaque et faire fonctionner nos recrues, espérant un bon match de notre Micha Mudryk notamment, mais aussi sur les côtés de Prestiani et Baldanzi dans l'axe. Bien joué Soutalo, Soutalo qui fait une belle récupération ici, Prestiani. Y a faute? Y a faute tous les jours? Oui, monsieur l'arbitre. Allez, Prestiani pour Devan Rensch. Devan Rensch qui a du champ. Ah, c'est mal donné ça, on n'est pas bon pour le moment dans les passes. On récupère les ballons haut, on arrive à, on va dire, à se créer des situations. Et pour le moment, la dernière passe, c'est jamais ça. Allez, Prestiani, pourquoi pas pour le premier ballon. Franc dans la surface, première grosse occasion pour l'Ajax Amsterdam qui ouvre le score à l'aide d'un joli travail de Prestiani qui va trouver Mansvik pour son premier but de la saison et probablement son premier but sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, lui qui n'a pas forcément joué beaucoup auparavant. Ça doit être sa première saison, enfin ça va être sa première saison pleine du côté de l'Ajax Amsterdam. Joli travail de Prestiani qui la joue à la vitesse, qui donne le ballon en retrait et le but de notre petit Mansvik, la petite pépite au milieu de terrain qui a inscrit, oula, son nom, Sivert Ege Mansvik. Ok, on va l'appeler Mansvik tout court. Premier but pour son premier match et le score est ouvert à la 25e minute de jeu pour l'Ajax Amsterdam.
Ok, Mudryk qui a un peu d'avance. Mudryk pour une frappe. Et le deuxième. Le but du break et le tout premier but pour la recrue en provenance de Chelsea, Micha Mudryk, qui a pas beaucoup joué l'année dernière du côté des Blues de Chelsea. On lui a redonné du temps de jeu ici. Il va jouer titulaire à tous les matchs maintenant, puisque bah, c'est clairement notre option numéro 1 sur l'aile gauche. Et Micha Mudryk avec une belle accélération, une frappe du gauche qui va trouver le petit filet opposé et nous permettre déjà de faire le break dans ce match après 33 minutes de jeu. Et c'est la pause dans ce match où l'Ajax Amsterdam mène 2-0 en ouverture du championnat sur la pelouse de Volvic, dans un match où c'est mérité, hein, 4 frappes, 0 cadré pour eux. On a la possession du ballon en plus. Ouais, les joueurs sont pas trop fatigués à la mi-temps. On est reparti du coup pour cette seconde période avec l'objectif de ne pas encaisser de but et pourquoi pas d'aller en marquer un ou deux de plus. Ok, Valdanzi. Ah, Valdanzi. Et bien joué, gardien. Bien joué, Jake Gorter. Première grosse occasion pour cette formation de Volvic. Juste après un changement. Grosse occasion. Bien sorti par Jake Gorter. Corner à jouer tout de suite pour Stevanovic en espérant que ça ne donne rien. Ok, ce sera dans les gants de Jake Gorter. Niko Tadze pour retrouver Mudryk. Micha Mudryk qui accélère. Micha Mudryk. Ok, Mudryk pour donner derrière. Allez, Mudryk à nouveau. Mudryk dans la surface. Pour une frappe, peut-être. C'est sorti par le parti de cette formation de Volvic. Corner à jouer pour l'Ajax Amsterdam. Joli travail de Mudryk sur le côté qui a pu éliminer un ou deux joueurs pour ensuite aller trouver un corner dangereux. Corner tiré par Kenneth Taylor. Et la tête, peut-être. Ouh, ça va être sorti, peut-être à nouveau. Oh, ça ne sort pas. Oula. Gardien! Oh oui, bien joué. Bien joué, Jake Gorter, qui nous sauve potentiellement le clean sheet dans cette fin de match. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Voilà, pas trop s'enflammer là-dessus. Mais attention quand même, il commence à se créer des occasions, cette formation de Volvic. Oula. Attention, Mudryk. La frappe, c'est sorti par Jake Gorter. Attention, il reste quelques secondes dans ce match. Ok, dans un premier temps. Oh, l'arbitre qui siffle la fin du match, alors que le ballon est dans la surface, qu'on aurait pu encaisser un but. Mais ça me va. Clean sheet pour l'Ajax Amsterdam. 2-0, 8 frappes à 4. Ils ont quand même eu quelques grosses occasions, notamment 2-3 grosses occasions dans cette seconde période pour cette équipe de Volvic. Mais c'est quand même une victoire pour l'Ajax Amsterdam. On prend clairement. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Des départs en prêt, c'est ça? Gabriel Misewi qui part en prêt du côté de Rakow. En République tchèque, certainement pendant un an. Ok, on prend. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? La boîte mail, Matsverk, option changement de poste. Ok, Misewi prêté. Là, une option changement de poste. Kovac met en place un réseau. Ok. Là, des changements de poste. Clément Calvin Klein qui change de poste, qui lui donne un 53 de général en défenseur central. Ok, bon. On met défenseur relayeur. Mendoza qui lui donne un 62 de général. C'est déjà plus intéressant. En poste d'ailier gauche. On va lui donner ailier inversé. Quoique peut-être un meneur de. Ouais, non, un ailier inversé. On va bosser sa vitesse. Sa vitesse et ses stats de finition devant le but. Les autres progressent un petit peu. 62. Bon, ça commence à devenir moins intéressant pour Oscar Berg, le Suédois. Ok, on prend ces informations. Merci beaucoup pour ça. Et on passe au prochain match. Alors, on c'était pas fini, on a encore un départ en prêt. Amoricho Van Axel Dongen qui part en prêt du côté du Clermont Foot. Voilà, une bonne chose de fait. Désolé pour toi, Zenvald, effectivement, je fais partir un Axel en prêt. Mais voilà, il faut qu'il s'aguerrisse, il faut qu'il gagne du temps de jeu. Et ce sera pas chez nous, malheureusement, qu'il pourra en avoir. Van Axel Dongen est prêté. Rapport final sur Rodrigo Riquelme, rapport mensuel sur les jeunes joueurs et offre de transfert pour Forbes. Le rapport mensuel, ok, ça c'est le premier rapport en provenance de la Belgique. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, du 130 000 euros de valeur, c'est pas grand-chose. Hein. Je regarde surtout ça, hein. 300 000, c'est déjà mieux. 100 000, 170 000, j'oublie un peu plus. 140 000, non, bon. Et on se dit que 300 000, on va pas prendre. On va essayer vraiment de prendre des jeunes joueurs. Et offre de transfert pour Forbes, non. Je place ce joueur sur la liste des joueurs intransférables. Notre petit Forbes, qui est notre titulaire, qui est notre remplaçant. On n'a pas besoin de le vendre, on n'a pas envie de le vendre. Pareil pour Brian Brobet. On ne vend pas non plus, c'est notre buteur titulaire slash remplaçant. Je pense qu'on va alterner les deux un peu avec son compatriote. Enfin, pas du tout compatriote, mais avec Miko Tadze. Brian Brobet qui veut commencer contre Go Ahead Eagles. Je pense qu'on va lui donner ça parce que hop, c'est Miko Tadze qui a commencé le premier match. On va lui donner ici. Et voilà, du coup, on est bon pour ça. Hop,
Si je voulais faire un truc avec l'équipe, je voulais voir à Sylvain Voss si on peut pas lui demander. Tac. Il était jeune, Voss, il est là. Est-ce que je l'ai mis quand en plein développement? Je l'ai mis meneur de jeu relayeur. Est-ce que je peux pas lui faire passer MC? 81 semaines! Ah oui, non. Non, 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 carrément pas, non. Carrément pas, non. Bon, bah, j'espère que ça va pas poser problème, mais je pense qu'on va le faire jouer MC, hein, quelques matchs. Rapport d'avant-match sur cette équipe de Go Ahead Eagles. Donc, ils ont pas particulièrement de joueurs à regarder. Ils jouent dans un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs centrales, un MOC, des milieux droit et gauche et un buteur en la personne d'Edvardson. Voilà, sinon voilà, ils ont un petit banc, ils ont perdu leur premier match, ils ont perdu leur premier match de championnat, c'est une équipe qui va jouer en contre-attaque. Leur style défensif, quand ils n'ont pas la possession, l'équipe défend avec un bloc bas et laisse l'adversaire s'approcher le ballon sur ses 30 derniers mètres. Donc l'idée, ouais, c'est ça. C'est bloc bas, un peu à l'italienne, bloc bas, et dès qu'on récupère le ballon, on part vite fait se projeter vers l'avant en contre-attaque. Ça va être le jeu de cette équipe de Go Ahead Eagles. On l'accepte et on va les jouer. C'est à la Johan Cruyff Arena, c'est chez nous. On joue avec notre maillot domicile, ils jouent avec leur maillot extérieur. On est parti pour la réception de cette équipe de Go Ahead Eagles. Et l'Ajax Amsterdam qui reçoit en son antre de la Johan Cruyff Arena cette équipe de Go Ahead Eagles. Deuxième journée de championnat après avoir remporté la première par 2 buts à 0 sans même encaisser de but. L'idée, c'est de faire une performance similaire, ne pas encaisser de but, garder l'imperméabilité derrière et aller inscrire des buts devant pour pouvoir simplement récupérer les 3 points de la victoire. Ok, balle d'Andy. Oula, pas exactement ce que j'ai voulu faire. Van den Boomen, Brobet, Van den Boomen, et la lucarne qui est trouvée par le néerlandais, l'ancien Toulousain Branco Van den Boomen, le capitaine de cette formation ajacide qui vient trouver. Il est pas très bien modélisé, si je puis me permettre, il est vraiment pas très bien modélisé, Branco Van den Boomen, contrairement à Michel Mudryk par exemple. Ouais, Brand Brobet qui trouve sur le côté Pressiani qui la donne à Van den Boomen. Le contrôle pied droit, la frappe pied gauche, on va trouver la lucarne et ça nous permet déjà de mener un but à zéro devant nos supporters de cet antre de la Johan Cruyff Arena. Oh, le vilain tacle. Ok, c'est récupéré. Micha Mudryk, oh le poteau, Micha Mudryk qui vient exploser le poteau du gardien de cette formation de Go Ahead Eagles. Grosse frappe pour l'Ukrainien. Balle d'Andy pour retrouver Micha Mudryk qui part sur le côté. Micha Mudryk avec la feinte de frappe. On revient se remettre dans l'axe avec un peu de réussite. Trouver le ballon pour Brian Brobet. La frappe de Brobet, le but. Le but du break sur une jolie action de Micha Mudryk. On va essayer d'aller retrouver l'attaquant ukrainien. Est-ce qu'on peut? Non, on veut pas. Non, on peut. La caméra fait de l'épilepsie. Micha Mudryk qui va trouver une feinte de frappe, dommage on n'a pas toute l'action et qui derrière va donner un joli ballon dans la profondeur à Brian Brobet qui va frapper du gauche et aller trouver le petit filet pratiquement à ras de terre. Jolie frappe de la part du néerlandais Brian Brobet. Et ça nous fait déjà un second but dans ce match et ça nous fait mener 2 buts à 0 après l'ouverture du score de Branko Van den Boomen. Oh, attention! Attention défensivement. On essaye de pas trop jeter la frappe et la réduction d'écart. La réduction d'écart est le premier but encaissé de la saison. Ce sera face à cette formation de Go Ahead Eagles. On a essayé de défendre, on a essayé de se mettre devant le porteur du ballon, d'essayer de contrer les solutions de passe. Malheureusement, un contrôle, une frappe, ça a permis à cet attaquant de marquer. C'est Willumsson qui réduit l'écart à la mi-temps, tout simplement, à la 45e minute de jeu. Et c'est la mi-temps justement sur ce but de Willumsson. 2 buts 1 pour l'Ajax Amsterdam dans un match où on était plutôt très tranquille, malgré qu'ils avaient eu quelques occasions. C'était des occasions plutôt légères, mis à part la tête en fin de première période. Et malheureusement, on a pris le but sur le gong, hein, vraiment sur la mi-temps. Le but qui te fait jeter tous tes plans de la mi-temps à la poubelle et te relancer. Ok, Van den Boomen qui récupère le ballon. Brandon Boomen qui va pouvoir mettre en retrait sur Brian Brobet. Brian Brobet en retrait sur Baldanzi et le but. Le but du break à nouveau pour l'Ajax Amsterdam grâce à son numéro 7. Il faudra qu'on voit les numéros de maillot très certainement. Baldanzi qui vient trouver le chemin des filets pour son premier but sous les couleurs ajacides, sous les couleurs rouge et blanc de l'Ajax Amsterdam. Brandon Boomen qui récupère bien le ballon, qui transmet à Brobet, qui transmet à son tour. À notre ami Baldanzi qui vient trouver le chemin des filets d'une frappe du gauche. Jolie frappe hors de portée du gardien. Ça nous permet de mener 3 buts à 1 et c'est sur cette frappe là qu'on va faire nos premiers changements. Hors-jeu? Il n'y a pas de hors-jeu?
Y a pas de hors-jeu au OJ Gorter en deux temps. Il y avait pas de hors-jeu. J'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu là-dessus. Grosse occasion pour Go Ahead Eagles. Attention quand même à cette formation et ne pas encaisser de second but après le premier. Déjà la réduction d'écart. Allez, Prestiani sur son côté qui va entrer dans l'axe et tenter sa frappe pour le but. Oh, le but fantastique de Prestiani. Oh, je pensais pas qu'il avait de la fusée dans les jambes. Cette frappe est partie à une vitesse, à une puissance incroyable. Ce premier but de Prestiani sous ses couleurs ajacides. Après balle d'Andy, c'est Prestiani qui vient ouvrir son compteur but cette saison du côté de l'Ajax Amsterdam. Travail fantastique de Prestiani. Il élimine un joueur avec un râteau, il rentre dans l'axe. Le ballon est un peu en l'air, ce qui va donner de la vitesse. On va directement la frapper, tout simplement, première intention. Et aller trouver la lucarne opposée. Joli but de Prestiani, tandis qu'on va faire nos changements. Exit Prestiani justement, exit Baldanzi, exit Mudryk, et on va faire entrer Forbes sur son côté gauche, Bardi sur son côté droit et Harvey Elliott en numéro 10, histoire de faire tourner, de faire la rotation un peu et leur donner leur première minute sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Ok, Brian Brobby pour le petit pont, l'action part, Devan Range pourquoi pas, on est parti pour cette action, Brobby pour retrouver Devan Range pour Harvey Elliott pour la frappe, en trois temps. Ok. Ah, Forbes qui essaye de faire des différences, mais c'est trop dur. Et c'est terminé sur cette grosse action et cette grosse frappe d'Harvey Elliott qui ne trouvera pas le chemin des filets. Victoire de l'Ajax Amsterdam par 3 buts d'écart. Le double break avait été fait. Et c'est une victoire 4 buts à 1 dans un match plutôt disputé. 8 frappes pour nous, 7 frappes pour eux. Ils ont eu des grosses occasions. Bah, vous les aurez vues, hein, notamment les grosses occasions. On a du coup 4 buts de 4 buteurs différents. Donc Brian Brobbey, Gianluca Prestiani, Tommaso Baldanzi et Branko Vandenboomen pour l'ouverture du score. Et au niveau des passes décisives, on a une passe décisive pour Micha Mudryk, une passe décisive pour Brian Brobbey, Prestiani et Baldanzi. Voilà pour ce qui est des buts et des passes décisives. C'est Brian Brobbey qui sera homme du match devant Baldanzi avec 10 de notes pour un but et une passe décisive. Hop, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer à aller jouer le dernier match de cette session. Je pense qu'on va se faire des sessions de 3 matchs pour pas que ce soit trop long et pour que ce soit plutôt digeste à suivre. Ok, il serait peut-être bon de modifier le plan d'équilibre. Offre de transfert pour Branko Vandenboomen du côté d'Osasuna. C'est non. On a fait notre mercato. Notre mercato est terminé pour celui-ci en tout cas. Où est-ce qu'on en est? On est toujours en août, c'est ça? Ouais, on est en août. Ok, donc c'est pour ça qu'on va avoir probablement des sollicitations pendant tout le mois. Nous, on a des joueurs à vendre, hein. On a des joueurs qu'on peut proposer, on a notamment du Schubach Pomme, du Passvir qu'on peut proposer à la vente, voilà, si des clubs sont intéressés, n'hésitez pas, hein, ils sont tous à vendre. Le reste par contre, c'est pas le cas, ils ne sont pas à vendre et on va pouvoir avancer jusqu'au prochain match, on a pas mal de temps de repos, on joue vraiment toutes les semaines, donc ça va, on joue pas 2-3 matchs par semaine, on va refuser la vente de Kaplan, c'est notre buteur remplaçant, le buteur sur lequel on compte quand même. Offre transfert pour Borna Sosa, c'est non aussi, voilà, on n'a pas décidé de vendre notre petit Borna Sosa. Ce que je disais, voilà, c'est que l'effectif est assez clair pour le moment, on n'a pas dans l'envie de vendre tous nos joueurs, et on va pouvoir enchaîner et tout simplement aller jouer ce match face au FC Twente pour terminer un peu cette session. Pour le moment, on a une victoire 2 buts à 0 face à Volvic, une victoire 4 buts à 1 face aux Go Ahead Eagles. Et pour le moment, on va aller jouer ce dernier match face au FC Twente. Twente qui est sur une victoire et un match nul, donc ils ont 4 points pour le moment dans ce début de championnat. Le joueur à suivre offensivement, c'est Eiting, attention à lui. Il joue quand il perd le ballon, il pratique un pressing agressif pour tenter de le récupérer le plus vite possible. C'est une tactique éprouvante physiquement et qui peut désorganiser la défense. D'accord, donc gros pressing plutôt agressif de la part de cette formation du FC Twente. Style offensif, toujours soucieux de rester discipliné. Cette équipe construit patiemment son jeu. L'attaquant attend le moment opportun pour déclencher des appels de balles tranchants avant d'être alerté dans la profondeur et dans le dos de la défense. D'accord, et sinon, c'est un style de jeu plutôt standard. Voilà, dans un 4-2-3-1 à nouveau, ce sera plutôt un 4-3-3 numéro 4 avec Stein en numéro 10. Van Bergen ou Nouvar, le joueur prêté par l'Ajax Amsterdam justement sur le côté gauche, et Van Winkel devant, notamment on le connaît, il est passé en Ligue 1, donc voilà, on connaît un peu ce joueur. Il y a Guy Small que moi j'ai recruté avec l'AZ Alkmaar dans le mode carrière sur FM23, donc voilà des joueurs plutôt intéressants quand même dans cette formation du FC Twente. On va aller lancer ce match, on joue avec notre maillot On joue avec notre maillot extérieur, le maillot blanc. Eux, ils jouent avec leur maillot domicile, le maillot rouge. Hop. Et on va peut-être faire des petits changements. On va peut-être faire tourner un peu. Peut-être donner un peu de temps de jeu aux joueurs qui en ont moins eu sur les deux premiers matchs. On va titulariser Jorel Lato à la place de Medic. Voilà. En numéro 10, on va titulariser Harvey Elliott.
Et on va titulariser Mikotadze devant. On va toujours essayer de voir quel est le meilleur entre Broba et Mikotadze. Le petit Forbes sur le côté gauche. Et voilà, on va toujours chercher à savoir effectivement qui est le meilleur entre Mikotadze et Brian Brobey pour avoir vraiment notre titulaire indiscutable. Donc voilà, quelques changements. Jorel Hatto en défense, Harvey Elliott en 10, Mikotadze en buteur et Forbes à gauche. Et on est parti pour le déplacement sur la pelouse du FC Twente. Et l'Ajax Amsterdam qui se déplace sur la pelouse du FC Twente dans le match comptant pour la troisième journée d'Eredivisie. Pour le moment, on est sur deux matchs, deux victoires, 2-0 et 4-1. Malheureusement, on a encaissé un but dans notre précédent match. Voilà, donc l'idée, ça va être de faire un clean sheet ici et d'aller surtout chercher la victoire, histoire d'être dans les premières places de ce championnat d'Eredivisie. Ça commence plutôt bien avec Kenneth Taylor pour Mikotadze. Mikotadze pour retrouver Forbes. Forbes qui peut rentrer dans la surface, tenter un centre en retrait en deux temps peut-être. Ok, Forbes qui essaye de faire la différence à la vitesse. Ah, c'est perdu. Branko van den Boomen! Quel but de Branko! Quel but fantastique de Branko van den Boomen après seulement 7 minutes de jeu. Le milieu de terrain néerlandais qui décidément n'en finit plus de nous impressionner au milieu de terrain. Après un passage concluant à Toulouse, il est déjà à son second but en 3 matchs de championnat. On va avoir vraiment un milieu à la Bellingham. Grosse frappe entrée de surface, ça part en lucarne. Voilà, je sais qu'il a une frappe puissante. Je me retrouve avec Forbes sur le côté, je me dis que je vais lui donner. Et je vois que la défense est resserrée, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de tenter, hein, clairement. On nous a parlé d'un pressing agressif, mais les joueurs ne sont pas du tout montés sur Van den Boomen, donc j'ai tenté ma chance. Et c'est Van den Boomen qui ouvre le score pour la deuxième fois consécutive, et cette fois-ci à la 7ème minute de jeu sur une grosse frappe. Harvey Elliott! Oh là là! C'est enchaînement d'occasions dans ce début de match. Décidément, cette équipe de l'Ajax Amsterdam qui est très bien rentrée dans son match avec le petit béret de son coach. Corner à jouer pour Branko van den Boomen pour aller trouver, pourquoi pas, Georges Mikotadze, c'est fait. Et le but du break est trouvé ici. Passe décisive et but pour Branko van den Boomen pour un excellent match. Nouveau but pour Georges Mikotadze. Voilà, qui a inscrit son second but de la saison. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a marqué dans le premier match. Joli corner bien tiré par Branko van den Boomen. La tête de Georges Mikotadze qui sève plus haut que les autres et qui a inscrit son second but de la saison à la 27e minute de jeu. Oula, attention, attention à Steyn. Steyn! Oh, c'est à côté. Oh, c'est à côté, Steyn. J'ai vraiment cru qu'il allait inscrire le but de la réduction de l'écart. Et premier changement déjà pour l'FC Twente. Nashi Unuvar qui sort, probablement sur blessure. Il a probablement pris un petit coup, malheureusement, pour lui. Voilà, on a quand même un œil sur lui parce que c'est un joueur qu'on a prêté à cette formation du FC Twente. Donc, on garde quand même un œil sur notre petit Nashi Unuvar. Malheureusement, il vient potentiellement de se blesser. Après, on ne connaît pas la gravité, mais il vient de se blesser ici. Et c'est la pause dans ce match où l'Ajax Amsterdam mène 2-0 suite à un début de match très convaincant. Pour le coup, 57% de possession, 4 tirs à 2. On va voir au niveau des expected goals, on est à 0,9 d'expected goals nous pour 0,4 pour cette équipe du FC Twente. Malheureusement, il y a le petit Nati Unuvar qui est sorti sur blessure pour cette formation du FC Twente. C'est un joueur qu'on a prêté et dont on espère qu'il va évoluer. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Il a une saison pour s'aguerrir, espérons que la blessure soit pas trop grave et qu'il puisse revenir vite fait pour aller gratter des minutes de jeu avec cette équipe de Twente. Oh. Oh, c'est contré dans un premier temps. La frappe, c'est dans les gants de Jay Gorter. Attention à cette équipe du FC Twente qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match. Ils sont chez eux, ils ont encore des options à faire valoir. Corner à tirer. Steyn, le numéro 10 de cette formation de Twente, qui élimine un joueur. Mais qui est repris par Jorel Hatto. Oh, attention Hatto, pas perdre le ballon ici. Hatto! Hatto, dommage. Oh, il y avait hors-jeu. Oh, il y avait hors-jeu. C'est pas du tout l'endroit pour perdre un ballon, Jorel Hatto. Attention quand même à la fougue et à la jeunesse de ce défenseur central. Allez, Mikotadze pour aller trouver Forbes. Forbes. Pour Mikotadze à nouveau. Forbes qui retrouve Mikotadze. La frappe peut-être et le but. Et le but pour Tomazo Baldanzi. Qui vient inscrire le troisième. Non, c'est Harvey Elliott, Baldanzi, il est remplacé, pardon. Effectivement, c'est Harvey Elliott, je commençais à me chauffer pour Baldanzi. C'est Harvey Elliott qui a inscrit son premier but pour l'Ajax Amsterdam. Tous les joueurs offensifs qui auront marqué bientôt. Ah, il va nous en manquer quelques-uns, mais ouais, Harvey Elliott qui contrôle les frappes instantanées du gauche, qui trouve le petit filet sur un joli service de la part de son coéquipier. Troisième but dans ce match, c'est Harvey Elliott qui ouvre son compteur but avec l'Ajax Amsterdam.
Attention à cette tête et le but. Le but de la réduction de l'écart à la 90e minute de jeu. Ah, je m'y attendais pas du tout. J'avais très envie que le ballon sorte pour pouvoir faire mes changements, mais bah malheureusement maintenant ça ne sert plus à rien, on est à la 90e. Mais j'ai été un peu tendre défensivement, ils ont pu aller trouver un centre. Ah ouais, je m'attendais pas, j'allais intervenir et derrière, ouais. Il a claqué une grosse tête pour aller trouver la réduction de l'écart. Ricky Van Volswinkel qui trouve la réduction de l'écart, bien évidemment lui, et pas un autre pour cette formation du FC Twente qui va quand même s'en tirer avec un but marqué ici. On n'arrivera pas à conserver de clean sheet pour ce troisième match. Et le match qui va se terminer là-dessus, c'est la fin du match. Victoire 3-1 pour l'Ajax Amsterdam qui quand même marque énormément de buts. Hein. On est sur 8 buts marqués en 3 matchs, c'est beaucoup. On est même sur un peu plus. On a mis 4 buts avant, on est sur 9 buts marqués. Mais sur 3 et 2, 5 et 4, 9. Ouais, 9 buts marqués, 2 buts encaissés. Gros début de saison pour l'Ajax Amsterdam. On va aller avancer jusqu'au prochain match et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce troisième épisode. Ok, Devan Rensch qui reçoit une offre de transfert. On nous donne Mikel Vesga. Mais c'est non, on n'a pas envie de perdre notre petit Devan Rensch. On va avancer jusqu'au prochain match de championnat face au Sparta Rotterdam. On a un mail. Riquelme, un profil qui intéresse. Voilà, on a eu des nouveautés pour les joueurs qu'on avait scouté, notamment Roro Riquelme. Ok, qui a des belles stats pour le moment. Bon, après, il n'y a pas les 5 étoiles techniques et 5 étoiles au pied, tous les styles de jeu de Ryan Cherki. Mais c'est pas mal du tout. C'est de très bonnes stats. Bon, à ce que j'ai compris, il va probablement signer du côté de l'Udinese, donc ce ne sera pas pour nous au prochain mercato. Mais voilà, on garde quand même un œil là-dessus. On va aller regarder tac, ce que ça donne au niveau du classement. Donc au niveau du classement, on est troisième parce qu'on a un match de retard. C'est-à-dire que si on s'impose dans notre match de retard face au Sparta Rotterdam, on récupérait la première place à la différence de buts. Pour l'instant, on a marqué 9 buts, on en a encaissé seulement 2. Ouais, c'est Twente qu'on a pris 7 déjà. 4 pour la Z, 6 pour le Feyenoord. Ah, le Feyenoord, ils ont marqué 9 buts, mais ils en ont pris déjà 6 et ils sont à 3 victoires et 1 nul, d'accord. Ok, gros début de saison quand même de la part du Vitesse Arnhem et du nôtre aussi. Accueil équipe, on va aller voir ce que ça donne au niveau des statistiques. Le meilleur buteur du club actuellement, c'est Branko van den Boomen. D'ailleurs, Unovar hein, qui a mis 2 buts avec le FC Twente, on en parlait. Hein. Et Branko van den Boomen est le meilleur buteur du club à l'heure actuelle, avec 2 buts en 2 matchs d'Eredivisie. D'ailleurs, on a un but pour Baldanzi, pour Prestiani, pour Brian Brobet, pour Micha Modric, pour Harvey Elliott, pour... bon, ça, c'est des joueurs qu'on ne joue pas. Hein. C'est des joueurs qui sont en prêt du côté du Nec Nimeg et de Excelsior. On a aussi Miko Tadze qui a un but, Mansvik qui a un but. Voilà pour les buteurs. Au niveau des passeurs, le meilleur passeur du club à égalité, c'est Prestiani à égalité avec Georges Miko Tadze qui a un but et 2 passes D en 2 matchs. Du côté de Prestiani, c'est un but et 2 passes D en 3 matchs de championnat. Voilà, grosse note, 8,25 de moyenne pour Miko Tadze. On a bien sûr une passe ici pour Van den Boomen, pour Baldanzi, pour Brian Brobet, pour Micha Modric et pour Carlos Forbes. Voilà, en 2 matchs de championnat, il a réussi à caler une petite passe décisive, sachant qu'il ne joue pas tous les matchs, etc. Mais voilà, notre joueur le plus utilisé, bah forcément, hein, c'est beaucoup de joueurs de l'équipe type. Hein, Jake Gorter, Devan Rensch, Soutalo, Sozak, Kenneth Taylor, Prestiani, Micha Modric. Et derrière, voilà, on est à 2 matchs. Au niveau du développement, est-ce qu'on peut voir... Ah, déjà, on a Mansvik qui peut passer milieu-centre. Hop, c'est fait. Mansvik, du coup, qui passe milieu-centre. Et du coup, on va pouvoir le faire progresser dans cette idée-là. Tac, on va aller dans statut. On va faire... Tac. Alors, est-ce qu'on a des joueurs qui progressent? Borna Sosa qui a pris un plus 1 pour le moment. Kenneth Taylor qui a pris un plus 1 pour le moment. Je pense que quand c'est ça, du côté du FC Porto, a pris un plus 1. Plus 1 pour Georges Miko Tadze. Moins 1 pour Pasvi, en même temps lui on veut s'en débarrasser. Plus 1 pour Yakov Medic. Plus 1 pour Gaston Avila qui n'a pas encore joué chez nous. Plus 1 pour Tahirovic du côté de Al Hilal. Sinon j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres augmentations. Plus 1 pour Dian Tramage en prêt. Plus 2 pour Arturo Van Axel Dongen du côté du Clermont Foot, en espérant qu'il ait eu un peu de temps de jeu. Plus 1 pour Fidjim, plus 1 pour Anton Gaillet, plus 1 pour Sylvano Voss. Plus 1 pour Asmussen en prêt aussi. Et voilà pour ce qui est des augmentations. Tac, voilà. Je pense qu'on a fait plutôt le tour pour le moment de cet épisode de ce mode carré avec l'Ajax Amsterdam. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, les mecs, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez que je renforce encore un peu l'équipe, il reste un peu de sous. Il reste 5 millions de budget. L'équipe est celle-ci pour le moment. Hop, ici en gestion d'équipe, voilà. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de peut-être un jeune joueur à aller chercher, n'hésitez pas, mais je pense que le mercato est fini au-delà de ça. En tout cas, moi, je vais aussi vous demander...
Je ne vais pas tout mélanger, je vais aussi vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube aussi, ça fait plaisir, on commence à vraiment à grossir en tant que chaîne YouTube, du coup voilà. On essaye de s'installer un peu dans le paysage des chaînes YouTube du mode carrière sur FIFA, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, like, tout ce que vous pouvez. Moi je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, allez ciao les mecs.